Sur le pouce, je voulais vous présenter aujourd'hui le livre de la rentrée littéraire 2016 de Jean-Paul Dubois, de l'excellent Jean-Paul Dubois, qui s'appelle La Succession, qui est paru aux éditions de L'Olivier. Donc, La Succession, c'est toute la question de ce livre. Succéder à son père pour le personnage principal. Le personnage principal, donc, c'est Paul, qui vit dans un univers très particulier, qui a décidé de vivre sa vie à Miami, en Floride, dans le milieu de la pelote basque, de la Cesta Punta, pour être plus précis, puisque à Miami, curieusement, il y a un grand engouement autour de ce sport qui suscite énormément de paris. Donc Paul, le personnage principal, donc vit de sa passion, mais il déçoit énormément son père qui, lui, a toujours rêvé que son fils reprenne son cabinet de médecin généraliste. Donc toute la question de ce personnage, de Paul, c'est ça, c'est de reprendre ou pas la succession de son père. Père qui, au début du roman, on apprend, s'est suicidé, et donc Paul fait partie d'une longue famille qui s'est suicidée de père en fils, on peut dire. Donc toute la question, c'est ça, c'est faut-il vivre son rêve ou faut-il plutôt succéder à une longue lignée, faut-il faire ce que l'entourage... Là, quand je l'explique comme ça, on a l'impression que c'est évident, qu'il faut évidemment vivre ses rêves, etc. C'est pas si simple. C'est toutes les questions que suscite Jean-Paul Dubois dans cet excellent livre que j'ai lu extrêmement vite, 250 pages, mais qui se lisent avec un style extrêmement simple, mais extrêmement bien construit, qui se lisent extrêmement facilement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous les conseiller ce matin, vite fait, sur le pouce.